J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues. Hey, salut Alex, est-ce que vous m'entendez? Attends, je monte mon micro. Hey, salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la ZIC? Je pense qu'on me... Salut Eric. À parcourir les monts, les voies des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, En fouissant à chaque jour, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide à la reprise. Merci, merci Mathieu. Bonne année à toi. Cool Alex. Super, on entend tout. Bah écoute, parfait. Salut Alexandre. Ça va les amis? Moi je vous avais prévenu, attendez, faut que j'achète ma machine à jus. Désolé, j'avais complètement oublié que j'avais lancé là-dessus. Je ferai une petite cure de jus de légumes là, la semaine prochaine. Je pense que je ferai une vidéo parce que, mine de rien, la santé quand on est musicien, on fait pas trop gaffe. Bref, du coup, voilà. Ouais, je termine le mix, Dorian. Je termine le mix. C'est vite dit, là, j'aimerais bien refaire en fait les prises de voix. Parce que... En congé, parfait. Bon, c'est bon, j'ai payé ma machine de jus. J'aimerais bien refaire les prises de voix parce que je sais pas s'il y avait des gens hier soir. Mais du coup, voilà, j'ai un peu fait en mode ASMR le... J'ai un peu réarrangé, là j'ai fait une partie à la fin qui est pas mal, faudra qu'on la fignole. Mais ouais, principalement la refaire des prises de voix en mode un peu plus péchu. Puis souvent, enfin, vous l'avez peut-être pas vu dans d'autres lives, mais tout ça c'est fait en quelques heures et du coup c'est souvent des one shot et c'est un peu la contrainte aussi. Sauf que derrière, les prises de son sont un peu pétées. Et ouais, Constant, je vais faire la petite écoute. La petite écoute, je vais aller checker vite fait sur... Nickel, ok Eric, parce qu'il y a quand même peut-être une ou deux personnes sur Twitch. Donc si vous n'êtes pas abonné sur Twitch ou si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Twitch. C'est pas mal. Pour le moment, je fais un peu les deux. Twitch.tv... slash le musicien, hop. Et Vince, tu penses quoi du mix et master de Ozone Isotope? Bah c'est bien, mais moi j'ai tendance à me méfier Isotope. Ozone, moi j'utilise depuis la version 4 je crois, ou 4. J'aurais tendance quand même à me méfier des outils tout faits. Et j'essaierai d'abord d'essayer d'apprendre par moi-même, parce que finalement, le mastering, c'est ni plus ni moins qu'un passage dans une chaîne d'effets, et puis essayer de trouver un équilibre global, et puis peut-être une cohérence avec d'autres titres. Du coup, disons qu'Ozone fait un bon taf, mais il a tendance à avoir des propositions assez radicales. Donc quand on est débutant ou qu'on ne connaît pas bien tous les usages des outils, c'est bien. Mais je pense que c'est quand même important de passer par une étape de bah, je vais comprendre comment fonctionnent des EQ, les compresseurs multibandes à la rigueur ou une EQ dynamique, un limiteur ou un plugin pour élargir un petit peu la stéréo, ce genre de choses. C'est quand même bien de les comprendre déjà individuellement, puis ensuite se créer une espèce de chaîne d'effets. Après, je peux te conseiller d'aller voir, j'avais fait une espèce de tuto sur le mastering avec les plugins de base de Logic ou autres si tu n'utilises pas Logic, et qui, je pense, donne un bon canevas pour déjà apprendre et essayer de se démerder un petit peu. Après, voilà, c'est clair que si on n'a pas trop de temps à perdre et si son mix est à peu près bon, un bon preset d'Ozone, on réduit un petit peu les valeurs parce qu'en général, c'est un peu bourrin, c'est pas mal, voire même un truc de mastering en ligne. Ça le fait bien. C'est pour ça que tu te sens seul, Eric. Bah ouais, le pauvre Eric, il est tout seul sur Twitch, là. Ah non, vous êtes 3 sur Twitch, je crois. Salut les amis Twitchiens. Mais bon, c'est pas encore... voilà. La folie sur Twitch, hein, je viens de commencer, on est 50, quoi.
Comment tu as fait pour devenir ingé son? En combien de temps? Bah, tu deviens ingé son quand tu fais des tracks pour les autres, en fait, enfin, quand tu bosses pour les autres. Et en combien de temps? Et après, est-ce que je suis vraiment ingé son? Non, tu vois. Je fais des mixages pour des gens, je fais du boulot pour d'autres gens, mais en général, je le fais avant tout pour moi, pour mes propres productions ou celles de collaboration. Et puis c'est vraiment un boulot à part. Bonne année Juju, salut Alexandre. C'est un boulot à part de faire un ingé son, tu vois. Moi je suis pas un ingé son. Merci Etlav pour ton follow. Je suis pas un ingé son, tu vois. Faudrait que je change, attends, la place de ce truc. Excusez-moi, je découvre en même temps. Peut-être que si je le mets là, ce sera mieux. Ouais, c'est. Faut faire des choses, ni plus ni moins. Faut se foutre dans des projets, faut collaborer avec des gens au maximum. En fait, moi, ça s'est fait naturellement parce que je suis un peu le nerd de service, un peu le geek de service, on va dire, surtout. Que j'aime bien les ordis, j'ai toujours bien aimé ça. Et j'ai toujours été passionné par l'aspect technique. J'ai toujours voulu faire ingé son ou technicien son, ce genre de choses. J'ai pas pu faire les études pour, parce qu'il fallait passer par un bac S, tout ça. Puis après, tu sais, les genres de BTS, je sais plus quoi, audiovisuel, ce genre de trucs. Et du coup, bah moi, je me suis mis aux manettes, en fait. Pour moi, pour les autres, dans tous les projets où j'ai été, ou presque, j'étais aux manettes, à l'enregistrement, à la MAO, donc voilà. T'es venu sur Twitch, merci Etlave. Salut Askel, oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu sois là, Pierrot. Bon, allez, on écoute la track et puis après, moi, je vais faire quelques prises de son parce que là, on blablate. Passage. Yeah.
fois la mélodie. J'ai eu des petits frissons, c'est bon. Ça veut dire que le morceau il est validé. Bon voilà, Juju, la vibe du morceau est fire. Ah, ton morceau c'est du feu mec. Bah merci, ouais j'aime bien. Et puis là vraiment le petit truc que j'ai fait hier soir là, c'est ce qui manquait au Nico, mon ami Nico. Salut Nico, salut mec. Ouais c'est ce qui manquait là. Nico c'est un pote gratteux avec qui j'ai eu un projet justement. Je disais tout à l'heure que j'ai comment j'étais devenu un peu ingé son et tout, bah c'était en étant aux commandes, tu vois, des trucs MAO et tout. Bah notamment avec Nico. Donc ça fait trop plaisir de te voir là, mec. Top la vibe, ouais, mais c'est vraiment le petit passage à la fin qui sublime le truc, mais faut que j'arrive à bien le faire sonner. Tu sais, avec un bon appel, un bon truc. Puis là, la deuxième partie, en fait, la première partie ici, c'est pas mal, et la deuxième, j'aimerais bien vraiment entendre le... Tu vois, c'est ça qu'il faudrait faire. Juste vite fait, il y a 2-3 questions. Wow! Askel. Ah bah c'est bon, vas-y, discutez entre vous sur Twitch. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas de bi trop sur les études pour faire de la musique. Enfin, j'ai fait le CFMI, mais pour faire un G-son et tout, honnêtement. C'est bien d'avoir une formation, tu vois, il y a certains trucs, si tu veux bosser sur un plateau notamment, ou dans un gros studio, après si tu veux bosser de façon indépendante, monter ton home studio et tout, ça peut être cool de faire quelques stages ou essayer de voir, tu vois, pour trouver un mentor, mais sinon, il n'y a rien qui va remplacer l'expérience. Après, c'est quoi un bon mix ? Putain, c'est chaud, mec, comme question, c'est la question à 1000$. Bah, un bon mix, déjà, c'est une bonne chanson, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça, déjà. C'est un bon titre. Et après, c'est quelque chose qui respecte la musique, l'univers, et qui participe à l'identité propre d'un titre. Moi, ce qui est important, c'est que chaque titre ait vraiment une identité forte et quelque chose de bien identifiable, quoi. Voilà, quitte à, enfin je sais pas comment dire, une cohérence, un tout cohérent, et que en fait chaque chanson, chaque morceau, chaque musique soit une petite pastille comme ça, bien précise et bien définie. Bon, en tout cas c'est ma vision, hein. Oh salut Hermeline, fait plaisir de te voir par là. Du coup voilà, Hermeline qui est à la PM School d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc après, un bon et un mauvais mix, c'est comme le bon et le mauvais chasseur. Il y en a autant qu'il y a de mixeurs, en fait. Tu peux donner le même titre à 4 mixeurs différents, tu vas avoir 4 mix différents, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes affinités, on ne va pas entendre les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'après, il y a des gens qui sont recherchés, tu vois, dans l'industrie ou dans le truc, parce qu'ils ont un son ou parce qu'ils ont mixé tel ou tel album ou tel projet ou tel artiste. Et qu'on a apprécié le son qui en est ressorti, tu vois. C'est un peu tout. Alors, évidemment, ensuite, c'est une question d'équilibre, de balance tonale, de balance dans ton gauche-droite, de tout ça, de dynamique et tout. Mais ça va être propre à chaque titre, en fait. Un piano-voix, ça va pas du tout être la même chose qu'un gros truc EDM avec des grosses basses et des gros snaps et un kick-snare qui est censé te transpercer le tympan, voire même tomber sur le... Ça plane, le Frenchy te va bien, instru de ouf, mec. Merci, mec. Tu vois, c'est vraiment dépendant du contexte, c'est pour ça. Après, j'essaie de répondre vite fait aux questions, puis après, il faut que je fasse quand même mes prises de voix. Hein. Je suis pas là juste... faut que j'avance sur mon répertoire, les gars. Les astuces, selon toi, pour rendre un mix de manière acoustique. Alors, je suis pas certain de comprendre le sens de ta phrase. Mais je suis pas certain de bien comprendre acoustique dans le sens quoi. Tu peux préciser?
Martin, salut, pour te dire grâce à toi, je me suis lancé dans la musique. Bah putain. Merci, hein. Écoute, bon courage sur ce long chemin passionnant qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et tu vois, Nico peut en témoigner. On a fait de la zik ensemble il y a déjà pas mal d'années. Il peut, je suis sûr, apprécier la progression encore. Et lui-même, j'ai écouté ce qu'il a fait. Il a bien progressé, c'est bien, mec. Enregistrement de la voix, quel niveau? Ouais, moins 18 dB, c'est bien. Compression, moi, je mets pas de, j'ai tendance à pas mettre de traitement. Sauf là, depuis que j'ai ma tranche de console, alors je peux pas trop vous la, je sais pas si je peux la montrer comme ça, si je balance, si je tourne un peu. Là, il y a ce truc là. Donc ça, c'est ma tranche de console qui est top. Et du coup, dedans, tu as une EQ, des filtres et un compresseur, un DSR, tout ça. Donc ça, j'ai tendance à un petit peu l'utiliser. Mais encore une fois, c'est un peu, voilà, c'est un peu à l'avenant, c'est pas toujours. Voilà. Et sinon, moi, je préfère, si tu veux, avoir un signal où il n'y a pas grand-chose. Comme ça, je sais que derrière, je peux le récupérer, tu vois, faire évoluer les choses. Après, il y a des écoles, quoi. Et c'est vrai que depuis que j'ai le channel strip, j'ai quand même tendance à un peu plus aller rechercher un réglage déjà de base. Parce qu'en fait, quand tu passes là-dedans, le truc, il se mixe déjà pas mal, quoi. Si tu as une chaîne cohérente, c'est-à-dire un bon micro, ça c'est un Electrovoice RE20, qui est quand même, qui fait partie des micros un peu référence. Il y a un câble qui est correct, tu vois, c'est une espèce de chaîne, ma carte son, elle est plutôt pas mal, etc. Voilà. Mais si tu veux pas trop te faire chier, ouais, moins 18 dB, c'est bien, jusqu'à moins 12, quoi, tu vois. Et après, tu fais. Après, tu modifies, quoi. Mais ça dépend vraiment du truc. Ça dépend vraiment de tes préférences, du matériel que tu utilises. Adam Audio TV5 et Yamaha HS5. Quelles enceintes prendre? Alors, beaucoup de gens ont les Adam, les Yamaha. Mais Adam, c'est pas mal aussi hein, comme marque. Alors, je suis pas sûr du. Du truc. Attends Emmanuel, juste je réponds à d'autres questions et puis parce que c'est un débat intéressant aussi. Plugin UAD, oui c'est intéressant si tu as une carte son UAD et puis si tu as les dineros qui suivent quoi. C'est un peu le piège de UAD et d'autres trucs, c'est que on te fournit un package minimaliste qui te fait bien envie. Puis derrière, bah voilà, c'est un peu la course au plugin, à l'armement. Et mine de rien, si tu veux vraiment t'éclater avec les plugins UAD, il faut soit avoir une des grosses cartes son haut de gamme ou acheter un DSP satellite et tout. Moi, j'aime pas UAD, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que tout le monde veut ou utilise des cartes UAD, du coup, je fais un espèce de rejet, peut-être. Voilà. Après, t'as Antelope aussi, c'est pas mal. Mais c'est pareil, là, j'ai un pote qui a acheté, un de mes meilleurs potes qui en a acheté une. Là, enfin, il a changé de gamme de cartes son depuis le temps que je lui disais. Antelope et tout, trop bien, sauf que plein de petits bugs, c'est pas des bugs vraiment handicapants, mais c'est des trucs, des fois, faut redémarrer l'ordi, tu débranches, tu rebranches la carte son, bah, elle est pas reconnue, l'installation, si t'as pas une bonne connexion internet, c'est hyper galère, enfin, ces trucs, c'est chiant, quoi, moi, ma carte son, ma RME, j'ai jamais eu de problème avec, quoi, le moindre problème, je l'éteins, je la rallume, c'est tout de suite reconnu. Voilà, donc UAD c'est bien, mais c'est un peu un. Faut plonger dans l'écosystème, quoi. C'est un peu comme Apple et tout ça, faut accepter que ben, machin, ça va être cher, ça va être un peu. Mais c'est bien, hein. C'est du bon matos, c'est une bonne qualité de son. Ça t'oblige à. Si tu veux vraiment utiliser les plugins, voilà, ça t'oblige à travailler ton son en amont. Donc c'est intéressant aussi, hein. MAO, musique assistée par ordinateur. Et après, ouais, du coup, Emmanuel parlait de version acoustique. Alors moi, je compose en MAO, justement. Principalement, je fais très peu, j'en ai fait, mais je fais plus beaucoup de chansons guitare-voix. Et c'est sûrement une erreur au piano-voix. Sûrement une erreur, parce qu'une bonne chanson, c'est une chanson qui se tient en piano-voix, en guitare-voix. Mais moi, j'ai, voilà, je compose comme ça mes chansons. Elles sont tout de suite arrangées, tout de suite. Tout de suite, je crush crenier comme ça, donc voilà. Mmh.
Alors, tac, je regarde vite fait sur Twitch. Ouais, du coup, le BTS audiovisuel, moi, je connais pas bien ce monde-là. Je sais plus si j'avais déjà. Je crois que j'avais déjà vu des gens qui avaient fait ça. C'est un peu le début du chemin, quoi, le BTS audiovisuel. Voilà. Donc, c'est tout. C'est une bonne. Je pense que c'est une bonne entrée dans ce monde-là. Mais derrière, faut vraiment te faire ton réseau ou tu vois, creuser ton trou, quoi. Enfin, c'est comme tous les gens qui veulent se professionnaliser là-dedans, t'es obligé de passer par des phases de bénévolat, de filer des coups de main, de machin, machin. Je vais reprendre le boulot. Celui-là, vous pouvez pas me tomber. Là, là. Dernière question avant de partir. Comment faut-il te contacter pour avoir des avis sur ces mix? Ben Vincent, @lemusicien.fr, sur les réseaux aussi. Et après, alors le problème, c'est que j'ai de plus en plus de demandes. C'est que pour le moment, je priorise pour mes élèves de la PM School. Mais je vais sûrement faire des lives juste d'écoute et puis un peu de retour. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est voilà, ce serait cool quoi. J'ai démarré Logic Pro grâce à toi et ta chaîne. Oh, trop bien, fait trop plaisir. Si je pouvais avoir les avis de la personne qui m'a inspiré, ce serait insane. Bah ouais. Mais si on peut faire ça à l'occasion d'un live, comme ça, moi, ça fait d'une pierre deux coups. Tu vois, toi, t'as tes conseils, moi, je fais du contenu, puis ça peut donner des conseils à d'autres gens ou donner des billes, quoi. Parce qu'en plus, souvent, les conseils, ils se. Bah, ça dépend un peu au stade où on en est, mais en général, on a un peu les mêmes problématiques quand on débute, puis après, on a des paliers, etc. Donc, c'est des conseils qui sont pas forcément perdus et qui peuvent utiliser les autres. Voici un chat en direct sur le mastering. Ouais, peut-être un de ces quatre, je ferai un master en direct, pourquoi pas. Avis des mix, t'es chaud? Ok, bah très bien, bah faudra que j'organise ça. On pourra peut-être se faire un petit live la semaine prochaine autour de ça. Je bosse sur Cubase pour du mix, mais je voudrais passer 100% MAO sans enregistrer tous les instrus. Sur 100% MAO. Tu voudrais faire des productions avec des instruments virtuels? Alors moi je te conseillerais Logic parce que c'est vraiment le logiciel que j'utilise et qu'il est hyper complet et qui c'est quand même le moins cher, même s'il faut passer par l'achat d'un Mac et que ça change un peu les usages informatiques et tout ça. Ouais, je sais pas. Moi, je te dirais, vas-y, hein, fais-toi plaise, lâche-toi. Au pire du pire, si ça te cause pas ou si t'aimes pas les Mac, tu pourras toujours le revendre. Ça se revend très très bien, beaucoup mieux que les autres ordinateurs. Donc voilà. Mais ça dépend un peu vraiment de ce que tu cherches à faire. Mais si tu cherches vraiment à faire de la composition, après, ça dépend aussi de ton style de musique, je pense. Ableton se prête vraiment bien au style électronique et tout ça. Ciao Juju, à bientôt. Merci en tout cas pour ta présence et tout ça. Donc voilà, mais ouais, non, je vais pas te mentir, pour moi Logic c'est quand même un des meilleurs logiciels sur Terre, mais voilà. Différence entre le master et le mixage. Mastering c'est l'étape finale, tu règles le morceau dans sa globalité, le mixage tu règles les différents éléments du morceau entre eux, quoi. Bon, allez, je fais mes voix là. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vaux des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide à la reprise. Partons notre famille, avant notre futur, respirer dans l'azur. Plongé dans le couchant. Alors, pardon. J'ai passé tout mon temps. Le mec qui s'improvise, c'était du flow. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vaux des vagues à l'âme. Oh, les meilleurs bus compresseurs, celui que tu utilises et que tu connais, donc tu connais bien le son, franchement il y en a tellement maintenant. Les SSL de Wave, ils sont sympas.
Il y en a sûrement des UAD, glu compresseur, voilà. Pour faire compo et tout, ça passe de ouf. Et Ableton pour le live, mais est-ce que tu fais du live, tu vois? C'est ça aussi la question, ou quel genre de live tu fais? Parce que maintenant, en plus, tu as le mode Live Loops dans Logic, qui est largement inspiré d'Ableton, hein, qui est beaucoup moins capable que Ableton. Mais... Donc, tu vois, si tu lances juste des séquences, ça se trouve, tu n'as même pas besoin de transposer ton projet dans... Parce que gérer deux logiciels, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Et je te dis ça, j'ai fait du Ableton pendant quelques années quand même. Salut, c'est cool, la raffinerie sonore. Salut, mec. J'oublie toujours ton prénom, mais bon. Je passe tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les prisons qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les prisons qu'on enflamme. Ok. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les voies des vagues à l'âme. Tac. Les petits buzz, hein. Prudence. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les voies des vagues à l'âme. Espèce de nonchalance un peu. Alors ce qui est bien, et c'est pour ça que j'utilise un bon micro dynamique, c'est que ça résout beaucoup de problèmes quand tu fais tes prises de son comme moi un peu à l'arrache, de façon hyper spontanée, et que t'es toujours dans le flow créatif. Comment dire? Ça résout tous les problèmes d'acoustique, en fait, ou presque. Ah, pas tous, évidemment, mais voilà, on se comprend. Et du coup, ça te permet quand même d'avoir un son tout à fait correct, rapidement. Et c'est quand même pas mal. Du coup, voilà, il y a un gros compresseur, on va le couper. Tac. Tu peux tout faire, mais bien sûr tu peux utiliser le vocal rider, c'est vachement bien de faire le ride de ses vocals. Après tu peux faire des automations à la main, c'est exactement la même chose. Pendant très longtemps, moi j'ai jamais utilisé de compresseur, je faisais mes automations à la main. Et c'était très bien comme ça. Non, je suis sur le 1. Voilà, hop, juste pour pas avoir trop le retour. Tac, ok, check, yes. Alors, hop. Je passe tout mon temps à parcourir les mots, les voies des vagues à l'âme. Les prisons qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les prisons qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sur un chapeau, j'en sais fait. Ok. Petite mise en bouche. Puis juste, on va tester comme ça un peu à la zeub. C'est pas un problème. Moi, j'assume complètement le côté artisanal. Ok. Est-ce qu'on se met un petit quelque chose, une petite réverb quand même? Qu'est-ce qu'on a là? Ouh. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots des vagues à l'âme. C'est une automation de volume, le vocal rider. C'est, en gros, c'est un fader de volume qui est automatique, suivant quelques réglages que tu lui donnes. Mais c'est ni plus ni moins que ça. Et en fait, c'est ce qu'on fait souvent en studio pour finaliser une prise de voix. Notamment pour que ça colle bien avec l'énergie du titre et les volumes globaux du mix. Voilà. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide et la reprise. Partons loin très très vite, avant loin ton futur, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant. Ok, c'est pas mal d'avoir le côté un peu presque talkover, un peu rappé. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme.
Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin de ta vie, avant ta future, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant, plonger dans le couchant. Ok, alors on va se faire un petit peu quand même de... Un petit quelque chose quand même, histoire de... Tac. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier le cachet. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Tac. Petit compresseur, des familles. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Tac, avec les autres. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié. J'ai rien planifié du tout, c'est pas facile, j'ai rien planifié du tout. Ah là là, c'est dur d'avoir du flow. un live, c'est tellement 2019. Ah ouais, on dit plus ça. Alors, c'est so 2019 les mecs quoi. Alors moi j'aime bien ça, c'est mon plugin fétiche en ce moment. En ce moment, en fait, depuis 6 mois, et je pense que j'ai pas fini d'utiliser, et notamment pour les EQ qui sont très musicales. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Notamment sur le shelf là, qui est pas mal. Salut Mahasya Ten. Pas de filtre anti-pop. Eh ben non, tant pis, pas de filtre anti-pop parce que je l'ai pas acheté. Il faut que je l'appelle. Tu travailles avec le M1 ? Non, je suis sur mon Mac Pro, le M1, et c'est ma nana qui l'a maintenant. J'ai bien la mort d'ailleurs, parce que quand même, c'est un putain de bon MacBook Air. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant loin ta future, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant, plonger dans le couchant. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les veaux des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Développer des armes, développer des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Romain, faites des tests, mais grave. Puis surtout, ce qui marche pour un titre ou pour une situation marchera pas pour une autre. Hein. Ça c'est clair et net quoi. Et faut vraiment pas avoir peur d'utiliser des choses qui sont pas prévues pour, tu vois. Et de se dire normalement on utilise cet outil là pour ça ou cet instrument là pour ça, faut le détourner, tu vois, et c'est pas un souci quoi. Je crois que tu peux créer une compression parallèle les voix. Ouais, bien sûr tu peux. Là c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un compresseur ici avec le mix à 55 pour lier un petit peu les trois pistes voix lead là, et je crois que ici tu vois je l'ai mis à... Je ne l'ai pas mis complètement, souvent je ne le mets pas complètement pour le compresseur. Pour éviter de trop compresser les voix parce que... Après, c'est, encore une fois, tu vois, c'est une question d'esthétique. Moi, je suis dans une esthétique plutôt indie, machin. J'ai pas forcément besoin que ce soit méga nécessaire que ce soit compressé. Des esthétiques beaucoup plus électro, rap. Là, par contre, c'est de la compression à balle en 8 pour 1, 6 pour 1 ou en 4 pour 1.
Et puis c'est le potard de mix à 100%, enfin c'est beaucoup de compression. Donc, ça dépend un peu des ambiances aussi, quoi. Les 16 Go de RAM sur le Mac M1 sont vraiment 16 Go ou c'est davantage? Bah, c'est 16 Go, mais après dans les faits, ça donne l'impression que c'est plus. Moi j'ai testé 8 Go, ça donnait l'impression qu'il y avait plus que 8 Go. Mais encore une fois, comment dire? Bah, ça dépend des usages aussi, quoi. Tu vois, 16 Go, c'est déjà vachement bien pour plein d'usages, en fait. Mais ça dépend, voilà, ça dépend de ce que tu fais, des outils que tu utilises, des banques de sons que tu utilises. J'aurais tendance à dire quand même pour la pérennité d'une machine de travail, pour faire de la musique, tout ça, 16 Go, c'est plutôt un bon move. Voilà, surtout qu'on peut rien faire évoluer dans les Mac. Donc, tant qu'à faire, autant foutre 200 balles de plus. Maintenant, je pense que dans les faits, 16 Go, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, sur les 8 Go, j'ai l'impression qu'il y en avait peut-être pas 16, mais pas loin, quoi. Donc, les 16 Go, peut-être que ça te donne 24 Go, en fait, en usage propre. C'est toujours le problème avec les Mac, c'est que souvent, les configurations paraissent un petit peu en dessous sur le papier, mais dans les faits, bah, ça marche bien, quoi. Dans les faits, on peut faire beaucoup de choses avec des petites configurations et... Tu vois, pour peu que tu utilises en plus genre Logic qui est ultra optimisé et tout, ah, tout est bien, quoi. Ok, donc c'est pas mal. Enfoui sous un chapeau, lancé vers le qui lutte, oublier les cachets. Là, par contre, j'ai mes guitares qui passent complètement à la trappe. Si je coupe mes voix... Ouais, ça passe complètement la trappe. Un tape machine, en général, ça rajoute de la distorsion harmonique, ça rajoute un petit grain, ça, voilà, ça... Tu vois, les guitares, elles passent complètement la trappe. Qu'est-ce que j'ai bypassed Pourtant, j'ai mis un petit exciteur. Enfoui sous un chapeau, lancé vers le qui lutte, oublier les cachets.
Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant un pas futur, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant, plonger dans le couchant. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte. Il y a encore une Loudness Noir. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, surtout dans les productions commerciales à tendance électronique et synthétique, il y a toujours une Loudness Noir. Maintenant, elle s'est vachement quand même... Elle a un peu changé parce que, bah, avec la normalisation des formats de streaming et tout, ça change forcément un peu la donne, mais ouais, il y aura toujours un peu qui a la plus grosse, quoi. Hein. Ça, c'est toujours... Un concours de beats, quoi, vraiment. Tu peux faire moins 2 dB sur la partie carton de guitare, 500 à 800. Bah oui, ça dépend. Là, ça peut être intéressant, comme j'ai bumpé autour des 300, je pourrais éventuellement creuser aussi pour renforcer ça. Et ce qui est intéressant, c'est de faire l'inverse aussi ailleurs, tu vois. Là, j'ai bumpé un peu plus loin et j'ai réduit un peu avant. Donc, tu peux la réduire ou la mettre en avant, en fait, la partie carton. C'est encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est pas parce que ça sonne carton que dans le contexte du mix, c'est pas bien en fait. Et moi, je trouve que là, c'est pas si mal. Mais il faut faire des tests. Hein. Peut-être faut inverser les deux. Là, c'est l'EQ de Logic ouais, que j'utilise principalement à 95% du temps. Voilà. Sinon, des fois, j'utilise le. Bon, c'est les EQ de Logic aussi, les Vintage EQ. J'aime bien le console EQ notamment. Et sinon, mon Focusrite Channel, voilà. Bon, c'est pas mal. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre. Faudrait faire une petite piste FX pour ces voix. Salut Alexandre. Salut les amis. Tu utilises beaucoup l'outil Silence de Logic. Tu veux dire le strip silence? Un peu, après je suis tellement habitué de bosser à la souris et de faire mes bails avec l'outil sélecteur que oui et non quoi. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles. Mais l'outil sélecteur vraiment c'est le sang comme on dit. C'est vraiment le truc, l'un des trucs les plus utiles dans Logic. Bonne année à toi aussi, bonne année à vous d'ailleurs, à tout le monde, à tous les gens qui sont sur le stream. On est 36, 38 même. Coucou aux 2-3 pélos qui nous regardent sur Twitch aussi quand même. Il y a un respect quoi. Mais bon, on est presque 18 000 abonnés sur YouTube, alors forcément il y a plus de monde. Oui, c'est bien cela. Ouais, bah tu vois, je l'utilise pas plus que ça. Enfin, un peu, tu vois, mais j'utilise vraiment beaucoup l'outil et sélecteur. Je suis souvent un peu à l'ancienne dans mes usages, tu vois. Je vais utiliser un peu l'outil de base et puis faire mon truc avec plutôt que souvent utiliser certaines fonctions. Après, quand tu récupères un mixage et que t'as toutes tes stems et tout, ouais, là c'est clair et net. Je fais du strip silence parce que sinon t'en as pour une demi-heure rien que d'enlever juste les silences. Donc c'est quand même un petit gain de temps qui est sympa quoi. Donc. Tout ça pour dire. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Je vais faire donc un petit effet de voix, on va voir ce qu'on fait. Hein. J'ai développé des armes. Je sais pas encore trop. Parce qu'on peut même carrément se la jouer. On peut tester des bricolages en fait. Tiens, on va essayer. Faut vraiment pas avoir peur de ça. Développer des armes.
enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant notre futur, respirer dans l'azur, plonger dans le couchant. En l'occurrence, ça faut pas le faire, tu vois, c'était dégueulasse. Mais tant que t'as pas essayé, tu sais pas. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Faut pas avoir peur de tester. Je tourne sur... Salut William, de Vendée. C'est Vince, de Londres. je tourne sur mon Mac Pro, là, de... Mac Pro poubelle, de 2014, là. J'avais fait une vidéo dessus. Bon, ça marche bien, hein. Une bonne bécane. Même s'il se fait mettre par terre maintenant par des Mac Mini, hein, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas pourquoi pas aussi un FAT FX? J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublie. Non. Bon, on va se faire un petit reverb delay, puis ce sera bien en fait. On va pas se casser le cul. À un moment... Hein. Ouais. Valhalla. Valhalla. Bien évidemment. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets de galère. Les présents des signes, dans l'ombre des oubliés, les présents de l'enfer. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé les armes. Tac, et puis un petit delay derrière. Parfois un simple petit écho comme ça. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Ouais, ouais, le CLA, je crois que je l'ai en plus. Mais j'aime bien, en fait, comme je disais tout à l'heure, essayer de faire les trucs un peu par moi-même, justement, bricoler. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi, j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant l'intérieur futur. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis. C'est pas si mal, faudra redoser, je pense. On les vaut des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vaut des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant un peu futur. Fais
chier cette note là. Oh, lancer fallait qu'il eût oublié le cachet. Elle est pas dans le temps. Elle n'est pas dans le temps, ça ne va pas du tout cette histoire là. Oublier le cachet. Enfoui sous un chapeau, lancer faire le qu'il eût oublié le cachet. Enfoui sous un chapeau, lancé faire le qui lutte, oublié le cachet. Une rue. Enfoui sous un chapeau, lancé faire le qui lutte, oublié le cachet. Une route qui brille dans ce vide et taco. Ok, c'est mieux. Ça me perturbait. Tac. Petit pommesse. Alors, les effets. Non, là, ils sont en envoi sur un bus. C'est beaucoup plus confort de bosser avec les bus, hein. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, voilà, faut aller voir. Y a 1 million d'avantages à bosser sur des bus. Donc, petit côté Biolay qui me plaît bien. Ouais, je suis assez fan de Biolay, c'est quand même un très très bon arrangeur, il écrit plutôt bien. Prochaine EP, Vince? Ouais, sûrement, je sais pas encore. Bah là, s'il va y avoir le projet en français, et puis il va y avoir pas mal de... Bah justement, on va peut-être pas la vendre à Biolay, mais pourquoi pas essayer d'aller démarcher, quoi. Je suis plus très attaché émotionnellement au titre. Du coup, j'ai eu moins de scrupules à me dire, bah, je vais aller le proposer à plein de gens. Du coup, bon, ça c'est pas mal, le petit effet, il est pas ouf, mais c'est pas grave. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, lancé faire le qui lutte, oublié le cachet. J'adore Sébastien Tellier. Par contre, j'ai pas trop kiffé son dernier truc, mais sinon j'aime bien Sébastien Tellier. Je sais pas trop ce que je fais là. Peut-être je refais une petite voix au fusiphone quand même. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mondes. Tac, comme ça. Tac. Yes. Tac. Yes. 1, 2. Check. Ok. Ah. IQ, on va peut-être hop, shelf in, hop, j'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, des voies, des vagues à l'âme, les prisons qu'on enfuit, tac, j'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les voies, des vagues à l'âme, les prisons qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les prisons qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai pas mis des queues sur mon bus encore, non. Mais t'as raison, faudrait que j'y pense. Pas mal comme ça ce son. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les vols des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas mes plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. J'ai passé tout mon temps à passer tous les mots, les voler vagues à l'âme. J'ai passé tout mon temps. Tac le make-up. Tac. DS. 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 J'ai passé. C. J'ai pas C. C. Je règle le DSR, c'est super chiant. J'ai passé tout mon temps, hein. J'ai passé.
J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les volets vagues à l'âme. J'ai passé tout mon temps, j'ai passé tout mon temps en réponse. Ah! Effet mégaphone en réponse. Sur le couplet? J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les volets vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends. Genre. En décalé ou. Genre, je réponds juste la dernière phrase. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets vagues à l'âme. Les volets vagues à l'âme. Le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme. Les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. J'ai développé des armes. Développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, lancé par le qui lutte, oublier les cachets. Bon, je vais déjà juste enregistrer un peu ça. C'est un peu violent, mais il est trop bien ce petit micro. Pour ce genre d'effet et tout, ça fait bien le café. Bon, j'enregistre. J'ai passé tout mon temps à parcourir les mots, les volets vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Une route qui brille, dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant loin futur, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant, plonger dans le couchant. Y a pas de loi, oh Dieu le Père, oh Dieu le Père. Voix comme ça pourrait être pas mal. Ouais, petite répétition, ok. Et eh ben, vous savez quoi, on va s'en faire une pour voir. Et puis voilà. Est-ce qu'on met pas plein de statues juste pour voir? Des mots vagues à l'âme. Et puis on va jouer sur le filtre comme ça, tac, tac, tac. Des mots vagues à l'âme. Peut-être pas too much non plus, mais. Les mots les vagues à l'âme. Vas-y, on essaye, on s'en palèque. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets vagues à l'âme. Les volets vagues à l'âme. Le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme. Le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, l'encéphale qui lutte, oublier les cachets. Oublier les cachets. Une route qui brille, dans ce vieux taco, rapide est la reprise. Rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant loin ta future, respirer dans l'azur. Respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant. Plonger dans le couchant. Plonger dans le couchant. Y'a pas de loi, oh Dieu. Je pars en vrille, mais c'est pas grave. Ok, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets vagues à l'âme. Les volets vagues à l'âme. Le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme. Le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans. C'est pas mal, il a tout de suite un grain et tout. Développer des armes, ah ouais? Justement, c'était pour faire un. Pour rompre un peu l'habitude. J'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développer des armes. Ou alors le mettre que en statue. À ce moment-là, peut-être. Tu vois. J'ai développé des armes. Peut-être. On peut essayer. Après, le son, il est pas ouf là. Ça, c'est pas vraiment. C'est un peu too much, je pense. Je saurais pas trop dire. Ou alors, faut vraiment que. Ça tue, ouais, c'est pas mal, hein. Mais le son de ce micro, il est vraiment trop. Et quand tu bourrines les filtres du channel sweep là,
Putain, c'est assez kiffant, je dois dire. Je surveille. Non, ça va, je suis large. Ouais, je sais pas trop si. Tu vois, j'y vais vraiment franco. Si je coupe vraiment beaucoup des graves. Livo de Vagalam. Livo de Vagalam. C'est peut-être too much. Livo de Vagalam. Livo de Vagalam. Ah, peut-être comme ça, un peu grinçant, grinçant. Salut Félix. Bienvenue sur le stream, puisqu'on dit plus live maintenant. Un peu, beaucoup, 16. Dans l'esprit, non. Ah, peut-être, je sais pas. Toi, je t'avoue, 16, j'ai écouté quoi de 16? J'ai pas mal écouté l'album J'accuse. J'avais bien aimé, que t'es méga rock. Sinon, je connais très très peu, à part Jeune et Con, quoi. Tac. C'est l'effet dégueu. C'est pas mal l'effet dégueu. Mais je vais remettre un tout petit peu de basse quand même, parce que les vols des vagalames, ouais, comme ça là, c'est pas mal ça. Allez, on retente. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagalames, les vols des vagalames, le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme, le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développer des armes. Enfoui sous un chapeau, dans ces palais qui luttent, oublier les cachets. Oublier les cachets. Une route qui brille, dans ce vide taco, rapide est la reprise. Rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant notre futur, respirer dans l'azur. Respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant. Plonger dans le couchant. Tac. J'ai passé tout mon temps. Benoît, tu as déjà vendu des morceaux à des artistes? Non, j'ai failli, mais non. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagalames, les vols des vagalames, le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme, le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Tac, je voudrais juste me faire un kiff. Pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Enfoui sous un chapeau, dans ces palais qui luttent. Ouais, ça va être pas mal comme ça. Clarté. Envoie le link, j'aimerais partager le live. Bah, je sais pas comment. Ah, c'est peut-être ça là, copier le lien, comme ça. Attends. Attendez-vous, si vous avez des idées, c'est intéressant. Clarté, ouais, peut-être un peu. Salut Vin, salut Posto de la Pasta. Excuse-moi, je t'ai zappé, mais j'ai pas le chat sous les yeux de Twitch. Ça va et toi? Essayer de chanter pas forcément la même note, mais plus aiguë, rapper au loin. Ah, sur ce couplet là. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagalames, les vols des vagalames, le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme, le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Enfoui sous un chapeau, dans ces palais qui luttent, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce vide taco, rapide est la reprise. Rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant notre futur, respirer dans l'azur. Respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant. Plonger dans dans le le couchant. couchant. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les vols des vagalames. Les vols des vagalames. Le présent qu'on dessine dans l'ombre des oublis, le présent qu'on enflamme. Le présent qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développer des armes. Enfoui sous un chapeau, dans ces palais qui luttent, oublier les cachets. Oublier les cachets. Une route qui brille, dans ce vide taco, rapide est la reprise. Rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant notre futur, respirer dans l'azur. Respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant. Plonger dans le couchant. Et pas de loi. À la
plus radical. Y a pas de loi. Oh Dieu, le Père. Ciao Mathieu, à bientôt. Il y aura le replay. Puis, de toute façon, je vais faire plein de lives. Je me sens moins seul en plus comme ça dans chez moi, c'est cool. Y a pas de loi. Oh Dieu. Développer. Développer des armes, ça te perturbe. Ça stresse. Oh l'autre. Ben développer. Développer quoi. Je sais pas. Développer des armes. J'ai développé des armes. Développer des armes. Développer des armes. Je te le remets en boucle hein, si tu veux. Enfoui sous un chapeau, dans ces fallait qui lutte, oublier le cachet. Une route qui brille, dans ce billet taco, rapide est la reprise. Partons loin très très vite, avant loin ta future, respirer dans l'azur. Plonger dans le couchant, plonger dans le couchant. Y'a pas de loi, oh Dieu le Père, oh Dieu le Père. Salut Beauty. Mettre trop d'aigu et de grave justement. Y a pas de loi. Oh Dieu le Père. Ça c'est une prise de 2h du mat par exemple. Ah. Pardon, je dois m'absenter. Ça sonne. Je vous remets de la musique. Ok, sorry guys, c'était le postman. Alors, du coup, j'avais dit quoi? Ah oui, passer à la suite parce qu'il faut avancer, là, c'est un peu lent. Bon, faut que je refasse des voix. Ben, merci pour ton commentaire, Sam Biolé. Salut, Eidolon. Eidolon, je crois que c'est mon tout premier abonné sur Twitch. Merci mec, fait plaisir. Du coup là je suis un peu en direct sur Twitch et sur YouTube. Et on est 36. Pas mal. Alors il va falloir que je refasse les voix de ce truc là parce que c'est un peu dégueu. Et l'idée c'est de créer un gros contraste entre le couplet qui est assez mumble, quoi. Et le refrain, je l'aimerais bien beaucoup plus lumineux. Voire limite foutre une petite choir derrière ou je sais pas quoi, mais... Ah, je suis essoufflé. Merci pour tes tutos, jeune Gildas. Merci, Julien. Jeune Gildas. Il y a une rêve que j'ai pas ou... Y a pas de loi. Oh Dieu le Père. Oh Dieu le Père. Y a pas de loi. Oh Dieu le Père.
C'est pas mal. C'est twitch.tv/lemusicien. Je l'ai mis plus haut dans le chat, je sais pas si tu l'as vu. Attends, je suis désolé, c'est un peu compliqué de tout mener de front. Je vais même l'épingler. Hop. Je crois qu'il est en top conversation. Voilà. Donc, bref, ton direct sera dispo en replay. Bah oui, normalement, si tout va bien. Bon, alors, bref. Il n'y a pas de loi au Dieu. Ça frotte, mais c'est pas si mal. Il n'y a pas de loi. Salut NVL. Il n'y a pas. Ça fait plaisir de pouvoir chanter. Ceux qui étaient là hier soir peuvent en témoigner. Parce que j'ai fini le live à partir de minuit, comme ça, en chuchotant. Et salut Mbablo. Mbablo. Il n'y a pas de loi au Dieu de paix, au Dieu de paix. C'est comme ça. Il n'y a pas de loi au Dieu de paix, au Dieu de paix. Bon, on va déjà enregistrer une vraie bonne voix. C'est sympa sans le mode ASMR, même si c'est pas désagréable le mode ASMR tard dans la nuit. Ouais, je sais pas, t'étais passé hier soir. Allez. Y a pas de loi. Y a pas. Y a pas. La petite octave qui va bien. Ouais, bah, y aura sûrement une tierce, voire une quinte. Ouais. Y a pas de loi au Dieu de paix, au Dieu de paix. Y a pas de loi. Tu peux faire les harmonies, on va se faire un truc vite fait, tu vois. Je vais me mettre un peu debout quand même pour être un peu mieux dans mon corps. Le mec, zéro technique vocale. Yap. Y'a pas, y'a pas. Oh, hey, oh, hey, hi, hey, oh. Y a pas de loi. Plongé dans le cochon. Y a pas de loi. Au Dieu de paix. Au Dieu de paix. Y a pas. C'est correct, mais ça on m'a enregistré un peu fort, je crois. Ça va. Y a pas de loi. Oh là là. Eh ben, on va en enregistrer plusieurs, hein. Parce que bon là, autotune. Ouais, non, pas d'autotune, mais il y aura sûrement un peu de petites corrections de pitch, tu vois. Mais je fais ce que je peux. Hein. Merci Mathieu. Bah, en plus, le problème chez Goon, la prod, c'est que j'ai toujours des idées un peu trop ambitieuses pour mes capacités vocales. Donc, voilà, c'est un peu le problème. Mais c'est pas grave, ça va le faire.
si on remet un peu du bazar là. Y'a pas de loi, oh Dieu le Père, oh Dieu le Père. C'est pas si mal, faut juste les refaire bien, tu vois. Donc, tac, on va en refaire une. Ah bah, les gens qui débarquent à ce moment-là, ouais, merci Mathieu. Putain, je viens d'apprendre que Dieu n'existe pas. Merci Twitch, merci Vince. Qu'est-ce que tu racontes, Charlie? Ah oui, putain. Tu faisais le référence aux paroles. Ça va, Charlie? Alors. Y a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Y a pas de loi où Dieu le Père. Allez, plongez dans le cochon. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Y'a pas ensemble. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Y'a pas de loi. Ok, et du coup on va se reprendre des petites voix fuzzy comme ça. Du coup j'avais fait une espèce de... Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Truc comme ça. Tac, tac. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Un truc comme ça, on va essayer. Plonger dans le cochon. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Y'a pas. Trop bien d'avoir d'être comme Néo et de pouvoir dire je connais le Kung Fu, tu télécharges un truc, j'ai l'oreille absolue, clic, ou j'ai le perfect pitch, oh yeah. Wow, la snare, j'étais pas prêt pour autant de reverb. Bah c'est bien, c'est bien de pas être prêt. Voilà, non, après tu vois, il y a des choses, ça manque en subtilité, mais au moins il y a les contours. Oh Nolika, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Bon, il arrive ton EP là. Nolika, je t'aime beaucoup. Je tenais à te le dire. Mais je crois que j'avais déjà parlé de toi une fois. J'aime beaucoup ta démarche. Donc voilà. Ça me fait plaisir. Donc, on va reprendre ça parce que c'est le bordel. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu. Y'a pas de loi
pense qu'il en faut quand même une un peu grave pour asseoir le truc. Bon, après, faudrait tout retimer correctement, mais on va pas le faire. Tac, le P là dans 2 jours. Ah, bah quand même! Et c'est bon, tu vas recevoir tes CD dans les temps. J'ai souvenir, nous on avait fait le release party, mon groupe, il y a longtemps à Lyon. Et les EP sont arrivés après la release party. C'était cool. Ah, on sort un EP, mais en fait, le presseur, il nous les a envoyés en retard, donc on les a pas. Voilà, c'était bien. Hein. Et c'était un peu à l'époque, Spotify commençait un peu à émerger, mais c'était pas encore ça. Bref, alors, y a pas de loi. Y'a pas de loi, y'a pas de loi, où Dieu la paix, y'a pas de loi, où Dieu la paix, y'a pas de loi, où Dieu. Ça va pas. Y a pas. Les respirations sont très fortes. Ouais, mais ça c'est une question après de mixage. On va atténuer tout ça. Puis je sais pas si t'as déjà écouté du Muse, mais tu peux décider aussi de les mettre très fortes. Y a pas de loi. Oh Dieu le Père. Oh Dieu le Père. Je sais pas quoi chanter là. Y'a pas de loi où Dieu le Père, où Dieu le Père. Ça crotte. Y'a pas où Dieu le Père. Ça frotte quand même, mais ça passe où, j'ai l'impression. Y'a pas de loi. C'est ça, et je verrais bien quand même une petite voix un peu destroy. T'es bien dans le couchant. Pablo, t'as l'air un peu obsédé par la partie boxy autour des 800 des 800 Hertz. Mais t'as un peu raison quand même. Y a pas de loi. J'aurais bien un truc comme ça. Oh tiens. Désolé pour vos oreilles. Y'a pas de loi. Truc comme ça, un peu grinçant, c'est boxy un peu, mais c'est pas grave. Y'a pas de loi. Y'a pas. Ok, ma voix aussi elle sature. Vas-y, on essaye. Plonger dans le couchant. Y'a pas de loi. Où Dieu le Père. Où Dieu le Père. Y'a pas.
dédicace à mes voisins. Y a pas de loi. L'effet du limiteur sur la tranche de concert. J'ai un gros doute. La basse, ta basse, tu utilises quoi? Mais mec, c'est logique, hein, c'est alchimie. Voilà. Après, j'ai mis des petits trucs sur le. Là pour l'espèce de refrain, mais. Salut Frinoc. Tiens, Olika, la bise à April. À bientôt, il va y avoir plein d'autres lives. Ça m'a fait plaisir que tu passes par là. Tac, tac, tac. Y a pas. La deuxième fois. Mathieu, ça rentre trop direct. Qu'est-ce qui rentre trop direct? La voix Destroy là? Parce que si c'est le cas, moi je pensais éventuellement la mettre que la deuxième fois. Pour déjà juste essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Parce que trop en faire, c'est quand même danger. Par contre, on va se faire juste un petit tricks, notre spatialisation, vite fait. Tac. Y'a pas de loi. Soutenir le côté choral que j'ai du mal à faire puisque je suis pas vraiment chanteur, juste pour voir, puis juste parce que c'est quand même mon kiff de du Black Friday qui m'a coûté bien cher mais qui est magnifique, se faire un petit une petite choir juste pour voir. Oh!
des hum hum. Pas forcément valable dans ce contexte là et puis surtout faut déjà que je retrouve dans le cochon. Si ça alourdit pas trop trop dans les... Incroyable. Salut Shy Banks. Salut, salut. Incroyable, je sais pas.
Mais après, c'est voilà, c'est la magie de Eric Whittaker Choir, compositeur qui compose que pour des chœurs, des chorales, tout ça. Et du coup, ça a été transformé en instrument virtuel par Spitfire Audio. Il coûte un bras, mais il sonne bien. Et en plus, j'utilise pas le quart des possibilités. Mais du coup, on va le doubler et avec un truc plus aigu. Alors là, c'est un tutti. Du coup, peut-être juste avoir des sopranes. Alors Brian, salut, bonne année à toi. Si je peux te conseiller une chose pour tes prochains combos, t'es prêt avec mon propre template. Ah non, pas du tout mec, pas du tout. Le template, c'est... Non. Template, j'ai fait. Non. Template, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour moi le template, c'est... Tu te limites beaucoup trop. Tu vas très vite, mais tu te limites beaucoup trop. Et moi, je vais suffisamment vite. Alors là, je retravaille des trucs, mais je me connais, je sais à peu près ce que je veux et... Et le template, pour moi, c'est trop, tu t'enfermes trop vite. On n'entend plus... Ah ouais, pardon, j'ai baissé le... Voilà. J'avais baissé mon gain. Pardon. Template, c'est un modèle de truc un peu tout préfait où tu as déjà tout chargé, différentes choses, etc. Et c'est bien quand tu fais de la musique au kilomètre, quand par exemple tu fais de la grosse musique orchestrale et où tu sais que tu as besoin d'avoir à disposition tous les instruments de ton orchestre. En général, les compositeurs de musique orchestrale vont se créer un énorme template avec en fait tous leurs instruments à disposition. Et avec, tu vois, ils vont avoir leurs différents violons, cuivres, etc., leurs percus. Et ça permet de gagner du temps, tu vois. En général, les gros templates de musique orchestrale, ils mettent 10 minutes à se charger. Parce qu'il faut tout charger dans la mémoire, etc. Et ensuite, t'as un gain de temps parce que tu peux tout de suite attraper le truc qui... Comment dire ? Le truc qui t'intéresse, quoi. Voilà. Moi, pour le genre de musique que je fais, et où j'essaie d'être au maximum un peu créatif, un peu original, alternatif, voilà, le template, c'est, si tu fais des instrus par exemple, ouais, carrément, tu peux te faire des templates, quoi. Moi, pour mon style de musique, je suis moyen d'accord avec ça. Y a pas de loi. Je suis pas certain. Je suis pas certain. J'ai le doute m'habite, comme on dit, hein. Y a pas de loi. Y a pas de loi.
là, je m'égare, j'ai l'impression. Ah là là. Oh, sounds great. Thank you. Y a pas de loi. Pas certain, je sais pas si je m'égare pas un petit peu là. J'ai un doute. Y a pas. Y a pas. Drum is perfect. attends, je peux te faire écouter vite fait les drums si tu veux. C'est pas. Non, en plus, je les ai pas beaucoup travaillé honnêtement. Mais ouais, bah après, c'est un bon choix. Un lead dark. Ouais, peut-être. Bah, la musique est toujours forte par rapport au micro. Ouais, bah écoute, après, ce qui compte, c'est la musique, non? Ouais, j'utilise là, c'est Prism. C'est une petite banque de sons sympa, de drums assez actuelle. Ça bounce de ouf. Ouais, ça bounce pas mal, je trouve. C'est cool. Pourquoi pas rajouter les voix uniquement quand tu tiens les notes? Je suis pas certain d'avoir compris. Au clavier les drums, oui, bah au clavier et au tu sais, aux pistes pattern là, de Logic. Voilà, juste pour un truc bien droit, tu vois. Toujours est-il que je m'égare un petit peu quand même. Le lead dark, c'est pas mal. Alors après, tu vois, sur la deuxième partie, c'est déjà plus... Il y a plus la présence de justement de la basse et tout qui... J'ai passé de mon temps à parcourir les bons, les voies des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et peut-être qu'il faudrait changer ça, tu vois. Mais après, changer ça par quoi? C'est toujours la question.
Sinon, pourquoi pas se remettre un petit alchimie, hein ? Alchimie, on a plus sous le capot qu'on ne le croit. Et je me demande quand même s'il n'y a pas... J'ai un doute, mais a priori, normalement, ça devrait rien changer, ça. Alors, pardon, hein, les trucs de stream, moi je suis encore un gros noob. Pourquoi pas ça, un peu filtré, ça peut être pas mal. Mal ce petit truc là. Petit côté un peu désuet en même temps. Bon après il y a beaucoup d'éléments hein, qui se rajoutent petit à petit pour arriver ici au, une espèce de climax. Donc je mets des choses mais c'est le bord, c'est déjà le bordel je trouve dans le titre. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagabonds, les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Le type s'est perdu, a garé son pain, il a perdu le vue. Ce combat se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui ne voit bien. Avant d'un homme malade, t'es de moi qui enlace, qui me retient bien. Le petit réconfort, l'unique réconfort. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagabonds. J'aime bien ce genre de petit gimmick, on va essayer puis voir ce que ça dit. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagabonds, les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Le type s'est perdu, a garé son pain, il a perdu le vue. Ce combat se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui ne voit bien. Bon, c'est un peu, mais bon. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagabonds. Alors, viens y voir. Oh, il y a une petite crotte là. J'ai passé tout mon temps à parcourir. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme.
L'idée est pas mal. Tadadada 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 takatakatam. Développe des armes. Wow, Nixaras. Développe des armes. Petit peu super. Développe des armes. Petit peu super. La guerre est sombre. Pourquoi on tenterait pas une petite... Développe des armes. Petit peu super. La guerre est sombre. Il a perdu le feu. Ce combat se continue entre ceux qui se dérobent. Là, ce qui... Développe des armes. Petit peu super. La guerre est sombre. Il a perdu le feu. Ce combat... Ce combat se continue entre ceux qui se dérobent. Tous ceux qui nous reviennent. J'ai passé de mon temps. Les liqueurs et confort. Takatakatam. Les liqueurs. Tac. Les liqueurs et confort. Wow, wow, wow. Les liqueurs et confort. Les liqueurs et confort. Les liqueurs et confort. Ouais, bon... Je sais pas trop. Essaie de finir ta phrase au piano par un mi bémol. Ah ah. Alors... Par un mi bémol. Ce combat se confirme, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Avant de tomber la réalité de moi qui enlace, qui me retient bien. On peut dire confort, les liqueurs et confort. Ouais, bon, déjà, ça presse de ouf. Je pense que je vais le réenregistrer correctement. Je ferai la modulation après. Je me demande s'il faut pas le faire à l'octave. J'ai passé de mon temps à parcourir les bons, les vaux des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Ce qui nous revient. Avant de tomber la réalité de moi qui enlace, qui me retient bien. On peut dire confort, les liqueurs et confort. J'ai passé de mon temps à parcourir les bons, les vaux des vagabonds. Les présents qu'on dessine. Comme ça, on va pouvoir faire ressortir le piano qui est un peu timide. Et ça, on peut le baisser un peu, le petit. Ça fait un espèce de petit contre-champ, j'aime bien ce genre de petit truc. J'ai passé de mon temps. Parcourir les bons, les voies des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'avais pas les filles du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Petit peu c'est perdu, la guerre est son pain, il a perdu de vue. Ce combat se continue entre ceux qui se dérobent, tous ceux qui nous reviennent. Avant de tomber là, il y a des mains qui enlacent, qui me retiennent bien. On peut dire confort. Les liqueurs et confort. J'ai passé de mon temps. Ok, bon, pas mal. Capture MIDI, si, j'utilise souvent, mais pas là. mais si, bien sûr. C'est trop bien le capture MIDI. J'ai passé de mon temps à parcourir les bons, les voies des vagabonds. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai pas les filles du tout. Ce combat se confirme entre ceux qui se dérobent. J'ai développé des armes.
Pardon. C'est pas pire, Bite. Ah, tu parlais pas du piano, Charlie. Du synthé. Bah, pourquoi pas? Les liqueurs et confort. C'est pas mal aussi le mi bémol là. On va le garder, je pense. Tac. Les liqueurs et confort. Ce passage, j'ai juste faut que je refasse une voix ou deux là et puis sur le refrain et puis après on peut enfin finir à cette partie là qui me fait bien kiffer. Pa, 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 pa. J'ai passé de mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme, les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les blancs, j'ai planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Dieu s'est perdu, rien reste en pain, il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Avant de gringolade, t'es des mains qui enlacent et qui me retiennent bien. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Ok, on va manger un peu le micro comme ça, voilà, c'est pas mal. Ok. J'ai passé de mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. J'ai passé de mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. J'ai passé tout mon temps. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes. Petit pouce perdu, il arrête son pain, il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Avant d'être un peu là, que demain qui enlace et qui me retient bien. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Des vagues à l'âme, les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes, développé des armes.
des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui. Il a perdu de vue. C'est pas mal. J'ai passé. Les voies des vagues à l'âme. Et il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Voilà. Bon, tu vois, en théorie, là j'ai bougé mes réglages, donc faudrait tout refaire, mais. C'est pas bien grave, je verrai un peu ensuite. Tac. Allez, réponse. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de m'engueuler, des deux mains qui enlacent et qui me retiennent bien. Qui me retiennent bien. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Tac, ok. Et du coup, est-ce qu'on se ferait pas une petite copier-coller juste? Parce que voilà, ça commence à être un peu le bazar dans la session, ça fait plaisir. Tu vois, je copie-colle tout juste histoire de. L'unique réconfort. Y a pas de loi. C'est pas inintéressant de faire ça, mais pas là. Y a pas de loi. Ce passage après, il va être trop bien. C'est pas pour, pour me la raconter, mais je pense qu'il y a, il y a une bonne émotion qui va s'en dégager. Alors maintenant, le couplet. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. S'est perdu, il a son pain, il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Avant de m'engueuler, des deux mains qui enlacent et qui me retiennent bien. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Peu des armes. Tac, tac. On va remettre développer des armes pour notre copain là tout à l'heure. Arme. Il a son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit se contient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Avant de m'engueuler, des deux mains qui enlacent et qui me retiennent bien. Qui me retient. Un petit réconfort. Enfoui sous un chapeau, dans ses valets qui luttent, oublier les cachets. Une route qui brille dans ce billet taco. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les voies des vagues à l'âme. Les voies des vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain, il a perdu. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain. Il... J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain, il a tout. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Le type s'est perdu, il a son pain, il a. Si on faisait ça, juste pour faire respirer. Si tu peux te la raconter. Non, jamais. Faut surtout pas. Développé des armes. Développé des armes. Comme ça, ça fait rentrer le piano aussi, ça c'est cool quoi. Enfin, ça le légitimise. Et d'ailleurs, je me demande si on va pas
faire rentrer à ce moment-là et faire rentrer le petit synthé dès le début de cette partie. Un truc comme ça, pourquoi pas. Et le piano, tu vois, le... Hop, tac, et comme ça. Armes. Développer des armes. Petit coup, c'est perdu. Et pourquoi pas... L'idée, c'est vraiment de rajouter un peu du naturel, donc on fait des petits mouvements comme ça. Développer des armes. Petit coup, c'est perdu, Aïda et son pain, il a perdu de vue. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout, je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Petit coup s'est perdu, Aïda et son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit, ce qu'on tient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de perdre la vie, que demain qui enlace et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Y'a pas de loi. Développer des armes. Petit coup s'est perdu, Aïda et son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit, ce qu'on tient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de prendre la vie, que demain qui enlace et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Bon. Ça avance, c'est pas encore ça. C'est un peu le bazar quand même. J'ai passé tout mon temps à parcourir les monts, les volets vagues à l'âme. Les volets vagues à l'âme. Les présents qu'on dessine dans l'ombre des oublis, les présents qu'on enflamme. Les présents qu'on enflamme. Et moi j'ai pas les plans, j'ai rien planifié du tout. Je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me donne. J'ai développé des armes. Développé des armes. Petit coup s'est perdu, Aïda et son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit, ce qu'on tient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de prendre la vie, que demain qui enlace et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Y'a pas. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Et là, on peut peut-être amener juste le petit orchestre là. Merci Shine Banks. Merci tout le monde d'ailleurs d'être là, quand même. J'espère que vous allez bien. C'est l'exercice du stream, c'est pas facile mine de rien, parce qu'en plus t'étais dans ta bulle un peu, donc faut ressortir de la bulle musicale, aller se reconnecter avec la webcam et puis les gens du chat et tout ça. C'est vraiment un exercice. Et oui, ma maman m'a appelé. Je l'ai ghosté, mais je vais la rappeler. Faut pas ghoster sa maman, c'est important. L'unique réconfort. Du coup, j'aimerais bien amener ça là. On va essayer de se faire ça vite fax quoi. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Avant de prendre la vie, que demain qui enlace et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Putain, c'est ouf. Juste pour faire un espèce d'appel, quoi. Ah, crap. Crappy crap. Crappy crap. Hop, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de prendre la vie, que demain qui enlace et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Voilà, et du coup, c'est juste ça. Petit réconfort. L'unique réconfort. Y'a pas. Un petit réconfort. L'unique réconfort. Y'a pas. Thank you.
Est-ce qu'on mettrait pas plutôt le piano légèrement à droite? Ouais, come on. J'ai développé des armes. Développé des armes. Petit pouce est perdu, Aïda et son pain, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit, ce qu'on tient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de gringolade, des deux mains qui enlacent et qui me retient bien. Qui me retient. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Y'a pas. Ouais, on va se faire la fin là, c'est cool. Est-ce qu'on se mettrait pas ça un peu plus long? No biggie leap. Hey, t'es sérieux? Pourquoi tu veux pas me déplacer ça, mec? Ah, c'est parce que c'est une appel loops. Ctrl B. Boons en place. Boons en place. Boons, 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 boons en place. Si on se la faisait bien, cut. La troisième note du vion. Le vion, c'est quoi? Le violon? Violon, ok. La troisième note, alors à quel moment? Parce que là, il commence à y en avoir pas mal. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Celle-là, tu veux dire? Ouais, pourquoi pas. Après, en fait, c'est chiant, j'ai un temps de latence entre le chat et le... Putain, il y a le différé, quoi. Comme ça, s'il y a une couille, je peux couper le direct comme à la télé. Je sais pas comment régler pour réduire le temps de différé. Alors... bref, donc, il y a ça à faire sonner. Un beau bordel. Peut-être qu'on va déjà couper ça. Ben voilà. Pas besoin des guitares. Et ensuite, peut-être juste... Salut les travaux. We'll be right back.
C'est pas si mal en fait, juste d'avoir coupé ça, et ça je pense que je vais le virer à terme parce que c'est un peu le bordel. J'aime bien, ça frottait un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Me fait penser au prod de Benjamin Biolay. Bah ouais, je veux bien. Anytime. je veux bien sonner comme Benjamin Biolay. Ça me dérange pas. Je veux bien ça s'assème aussi. Ça me dérange encore moins. Puis non, j'aime beaucoup Biolay. Il est brillant ce mec. C'est vrai qu'il y a le côté un peu poignant, quoi, souvent dans Biolay, dans ce qu'il fait et tout. Puis le côté un peu grandiloquent, que moi j'aime beaucoup aussi, parce que je suis un compositeur frustré, qui a pas d'orchestre, qui sait pas vraiment écrire la musique, tu vois. Et donc, t'es s'imaginer que t'as quand même ton orchestre derrière toi, t'es en mode, waouh, bâtisseur de cathédrale devant 1000 personnes ou je sais pas quoi, et puis, pouf, t'as l'orchestre qui reprend derrière ton gros thème. Juste, il y a 4 notes, mais qui sont jouées par 50 personnes en même temps, donc en fait, t'es juste abasourdi, quoi. J'aime bien cette idée-là, un peu de la grandiloquence. Mais c'est pas facile. Bon, bah, c'est pas mal quand même, on a pas mal avancé. Tu en penses quoi des productions de Squeezie, Nicolas? J'ai pas vraiment écouté, je t'avoue. Enfin, le peu que j'ai entendu. Le peu que j'ai entendu, je trouve ça bien foutu. Bah, il peut, après, je crois qu'il s'est bien entouré. Enfin, il a fait ça bien, il me semble. Voilà, j'ai pas écouté l'album plus que ça. J'ai écouté 2-3 tracks un peu par curiosité. Mais de base, de toute façon, c'est pas le style de musique. Que j'écoute beaucoup. Donc voilà, mais il me semble qu'il a eu des bons beatmakers autour de lui, tout ça, donc c'est bien foutu. Hein. Sur la fin, un filtre passe haut. Ouais, genre pour finir, tu vois. Sur un élément particulier ou sur tout le mix? Parce que genre... Ou peut-être juste faire des petits mouvements pour terminer, tu crois? Parce que c'est cool de retomber sur ce groove-là. Ça. On va voir peut-être justement là-dessus, le faire monter comme ça. On pourrait se faire un truc... Ou sur la batterie, ouais, carrément. Déjà plus chaud pour tester ça, ouais. Ça peut être pas mal. On peut se faire ça. Bon, votons. Non, mais c'est bien, c'est une idée, mais c'est typiquement le genre de truc que je peux faire, donc ça me gêne pas du tout. Ça, je t'aurais dit non en direct. Il reste le seul dictateur de mon morceau, ouais. Essaie de simplifier le son de basse pour cette dernière phrase. Bah ouais, je pensais, en fait, là, elle est, si tu veux, elle est doublée, Charlie. Faut que je fasse un groupe pour ma basse, c'est le bordel. Tu vois, avec le step FX et tout, qui rajoute un espèce de filtre qui bouge, qui est pas mal, mais qui est peut-être un peu too much. Peut-être le baisser un peu, d'ailleurs. Ouais.
Mais ça, à la rigueur, on peut peut-être la couper juste pour voir et puis faire la petite automation de drums. Un truc du genre. Après, elle manque un peu du coup, mais je crois que je l'avais montée. Je peux peut-être juste la baisser de ouf. Et refaire un semblant de... Non, forcément, faut que... Hop. Ça, c'est pas mal. Puis ça va faire un mouvement contraire avec la batterie. Pour limite le faire monter encore à peine plus. Tac. Et du coup le petit filtre, on va l'enregistrer, ce sera plus simple. Donc tac et tac. Ok, hop, il m'a fait une petite crotte, c'était pas sur latch, c'est pour ça. Hop là. C'est bien, ça fait une fin beaucoup plus naturelle. Et puis ça fait du bien un peu de retomber dans le calme, voire même, je me demande s'il faudrait pas un peu le... S'il faudrait pas... Pas mal. Bon, voilà. On va se faire une petite écoute. À quand un album ? Non, je déconne. Ouais. Des albums, mec, si tu savais, j'en ai... Enfin, des compos pour des albums, j'en ai la matière pour 3 albums à peu près. Donc, il y en aura forcément un, mais peut-être pas un album. D'abord, on va sortir des titres. On va aller chasser un peu de l'éditeur aussi. Nicolas, tu te sers de Nexus 3 ? Non. Non, je me suis servi jadis de Nexus, premier du nom, il me semble. Ensuite, je crois que j'ai voulu craquer Nexus 2 il y a une certaine époque, quand je craquais beaucoup de trucs. Et puis j'avais testé, puis ça marchait plus, puisque de toute façon, quand tu prends des cracks, ça finit jamais par marcher. Et voilà. À ta place, j'enlèverai les nappes et je laisserai les échos de la guitare. Je me suis posé la question. Oui, non, pas de Nexus. Ouais, il y aura sûrement un EP par contre, oui, c'est sûr. Ah ouais, ils te plaisent pas mes petits pads là ? Non, vas-y, on va se faire une écoute comparative. Bah, en fait, j'aimais bien quand même les petits dans le delay quoi. Ah, come the fuck on. Euh,
Ou alors peut-être à l'octave, on va les remettre. On peut peut-être les remettre, mais à l'octave. Juste pour voir. Ça, puis on peut baisser la vélocité de ouf. Voire même dedans. C'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Il y a une espèce de compromis droite-gauche. Qui est assez macronesque en termes de son et en termes de proposition de valeur. C'est pas mal, je vais juste couper ça, juste pour voir si on peut faire un final tout sec. Préfère avec la petite ambiance. Hop, voilà. Ouais, des deux comme ça. Je préfère avec les deux, mais à l'octave et tout, un peu plus. Bah, en fait, j'aime bien les trois derniers pattes. Tu devrais les laisser à l'octave. Ben, bah, tu vois là, à l'octave grave, tu veux dire. Enfin, les remettre. Parce que l'octave aigu, ça, j'aime bien l'idée que, du coup, on revient dans un truc tout. Puis on finit sur de la basse, quoi. Tu vois, avec l'automation du filtre, là. Une petite rumeur et on finit dans une petite réverb. Non, c'est bien comme ça. Maintenant, attends, quand même, j'aimerais bien retravailler mon entrée de. J'aimerais bien soutenir cette dernière mélodie là. Tu vois? Feutrer un peu plus. Ouais, la cymbale reverse, il faut la retravailler ou faut en prendre une autre, je pense, parce que.
J'ai un gros doute. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Ou une gratte? Mais le côté orchestral, ça sublime le truc, quoi. Qu'est-ce qu'on peut jouer là? Pour info, je pense qu'il y a une latence de 2 minutes. Ouais, c'est pas 2 minutes, mais au moins 30 secondes. C'est un peu relou pour interagir en direct. C'est un peu la merde pour s'y retrouver, pour s'y retrouver. Qu'est-ce qu'il joue au piano exactement? Si t'arrives pas à trouver quoi rajouter, ça veut dire que c'est déjà très bon. C'est une parole de sagesse, Black Bones. C'est... une vraie parole de sagesse. Ma piano, il y est déjà, en fait. Donc, peut-être que c'est juste une question de mieux faire sonner le piano. J'ai pensé à une flûte. Je voulais tester quand même une petite flûte, juste histoire de. Mais. C'est toujours un petit peu dégueulasse, ces flûtes. Et en plus, j'ai pas le ré bémol, donc ça me rend dingue. Ouais, l'idée, c'est quand même de faire un peu du layering, quoi. Donc, c'est pas tant de rajouter encore une autre idée, c'est juste de renforcer cette idée-là, quoi. Thank you.
aussi. En fait, tes drums prennent beaucoup de place. Ouais, bah après, il faut que ça prenne de la place, hein. Mais les drums, tu vois, il n'y a pas d'automation sur mes drums encore de volume et tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose à travailler, hein. Ou même de vélocité, tu vois. Tout est assez monolithique, de copier-coller. Mais ouais, c'est clair que ça, ils prennent beaucoup de place. Après, voilà, faut que ça en prenne aussi, ben Dieu. Tout faire péter avec Marmio, là. Hop. Dédicace au Savoyard. Et sinon, peut-être en staccato. Un truc comme ça. On pourra peut-être pousser le vis et essayer de les amplifier, mais... C'est ça. C'est ça. On va quand même baisser un peu les percus à l'ami Charlie, il a un peu raison quand même. Mais c'est bien parce que ça donne un drive, un mouvement. Et là, du coup, comme ça, j'ai juste doublé le ta 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 ta. Et ça, ça me va bien. Et on va le doubler avec le cuivre là que j'ai testé. C'est ça l'idée qui manquait. Juste faire le ré ré do la, ré ré do si. Alors c'est ça. Ça, il va falloir que je renomme mes pistes un jour là, parce que c'est le bordel. Je donne pas un bon exemple. Du coup, ça, est-ce que je le redouble là? Voilà. Ah. Bon, c'est pas mal, non? Easy, moi, Vindu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un peu le bordel dans mon casque, mais rien d'insurmontable en termes de mixage, je pense. Juste ce truc-là, là, je suis un peu... Plus je l'ai foutu dans un ampli, tu vois, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais faut voir, hein. Je trouve que ça va assez bien quand même avec le reste. Juste baisser ce truc.
C'était pas mal d'avoir cette guitare quand même. Bon, qu'est-ce qu'on se fait ? On se fait une réécoute et puis on en fait un autre. De toute façon, je vais bientôt arrêter le stream. Parce qu'il est 15h, après il faut que j'aille chercher Louis. Et que j'appelle ma maman, quand même. Oh les gens, vous êtes là? C'est pas mal du tout, ça a bien évolué. Ah merci Adelon Ethos. Merci mec sur Twitch, merci vous deux sur Twitch. C'est bien, je sentais un peu seul mais ça fait plaisir. Après voilà, c'est pas mixé. Hein, c'est... Et ça va être une galère à mixer d'ailleurs, parce que là on arrive à... Bon, il y a une petite dizaine de pistes qui sont mutées, donc on va dire 60 pistes. Mais avec des éléments qui prennent pas mal de place, mine de rien. Les trucs de voix, qui sont quand même... Tiens, on va se faire un peu de ménage. D'ailleurs, on va pas trop s'embarrasser de tout ça. Tac, tac. Voilà. Toutes les pistes mutées, on va les supprimer. Voilà. C'est un petit peu plus sympathique. Est-ce qu'on se fait un petit commande M? Merde, CTRL M. Quel couillon. CTRL M. Non, SHIFT M. SHIFT M, voilà. Hop, voilà. Et on mettra des couleurs un autre jour. Allez, on réécoute ça. Développer des armes. Développer des armes. Petit pouce perdu.
perdu, Aïda et son prince, il a perdu de vue. Il a perdu de vue. Ce qu'on voit, ce qu'on tient, tout ce qui se dérobe, tout ce qui nous revient. Tout ce qui nous revient. Avant de m'engueuler, tes deux mains qui enlacent et qui me retiennent bien. Qui me retiennent. Un petit réconfort, l'unique réconfort. Y'a pas. Bah, c'est pas mal, non? Bon, il y a deux, trois trucs. Salut, Sankei! Pour le refrain, t'es un partisan de les dupliquer ou de les refaire à chaque partie de la chanson? C'est une bonne question. Je dirais ça dépend. Ça dépend quel style de refrain, etc. Quand il y a un espèce d'effet choral, je trouve ça assez cool de redupliquer tes régions, quoi, les copier-coller. Après, c'est quand même toujours bien... Enfin, moi, je trouve, quoi, de réenregistrer les choses d'une... Tu vois, de refaire chaque partie. Juste pour, tu vois, changer un tout petit peu l'intention, l'intensité, la forme du truc, quoi. Parce que tu... Tu vois, il n'y a pas je sais pas, le même nombre d'éléments, ou on n'est plus dans la même énergie entre le premier refrain et le premier couplet, par exemple. Donc, voilà. Mais ouais, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de refaire les choses. Souvent, je les duplique par confort. Quand je suis en phase de compo, que je structure mon truc, j'essaie d'aller méga vite. Là, c'est plus le cas, tu vois, mais... si tu regardes des lives ou quand j'en referai d'autres où je pars vraiment de zéro et tout, quand j'ai ma structure, j'ai mon texte, mes paroles, machin, en général je vais pas me faire chier, quoi. Je vais copier-coller, puis après je vais revenir dessus pour refaire les choses. Mais puis tu vois, là il y a des prises de son qui sont un peu faites à l'arrache encore, donc ça n'aide pas, mais c'est pas mal. J'aurai un challenge à te proposer pour ton prochain live, composer un titre de A à Z en moins de 2h30. Ouais, sans problème. 2h30, faut juste que je me focus un peu plus. Mais tu vois, je l'ai fait en 3h, donc on n'est pas loin de 2h30. Hein. Si tu regardes sur le Twitch, twitch.tv/lemusicien. Je crois qu'on est à peu près sur des sessions de 3 heures. Ah oui, du coup, il me met le live, là. Tac. Ah, bah, c'est bien, je vois le chat. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais alors, je sais pas comment faire. Putain, le mec, il sait pas naviguer sur son truc. Voilà, tu vois, 4 heures, 3 heures. Bon, il y a un peu de, longueur, mais ça se fait. Hein. Ça se fait tout à fait. On peut écouter tes sons sur Spotify. Oui, tu peux écouter des trucs qui sont en anglais. Où est-ce que j'ai mon lien Spotify. Tac. Mais tout ça, c'est en anglais. Quasiment tout. Si, il y a tout en anglais. Et si tu veux tout écouter, sinon... Attends, je te le mets quand même, le lien.
comme ça. Pardon. Salut Étienne, merci beaucoup pour ton commentaire très chouette. Tac. Et sinon, sur Bandcamp, il y a 2-3 trucs en plus. Vincent Rage, Bandcamp. Hop, hop. Ouais, voilà, il y a ça, quoi. Après, c'est beaucoup des démos. Hein. Enfin, c'est au stade, ça reste au stade. Il y a des trucs qui sont mal finis, etc. Mais c'est un... Putain, je m'y perds avec tous ces, toutes ces fenêtres de chat, les gars. Tac, coller. Mais c'est aussi un exercice pour moi dans ma progression artistique et de mec qui fait tout seul d'oser sortir des trucs quoi. Mon album français, alors je pense pas que je vais sortir un album, mais je pense qu'à partir du mois prochain je vais sortir au moins un titre par mois, essayer de finir ça, tu vois, je sais pas trop. T'es là, faire peut-être en mode Jules quoi, tu sors des albums à l'arrache et tout, tu t'embalèques. Salut Maasia, à bientôt. Puis à chaque nouvelle compo, tu retires 10 minutes à ta deadline. Ouais, après, j'ai pas envie d'être dans une course non plus totale, quoi. Mais la contrainte temporaire, de toute façon, je me la mets souvent moi-même, quoi. Enfin, c'est toujours le défi que j'ai, c'est d'essayer de finir... le titre le plus possible, tu vois, dans sa forme pas nécessairement définitive, mais en tout cas dans l'essence, quoi. Essayer de dire le maximum le plus vite possible pour conserver l'émotion du moment, l'émotion de l'instant, qui est super super importante, je trouve. Donc voilà, c'est un peu le défi à chaque fois, mais c'est pas non plus, tu sais, une course à la performance. Voilà quoi, c'est sympa, ça se fait bien, mais de se mettre une deadline, mais tu vois, je vais pas me forcer à faire tout en 1h50 juste parce que la semaine d'avant j'ai fait ça en 2h. Parce que 2h, 3h, même 4h pour faire un morceau à peu près bien construit, à peu près bien arrangé, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Tiens, on s'en réécoute un autre et puis après on va tranquillement boucler ça. Tiens, celui-là, il est bien, là. Il est pas mal avancé, du coup. Puis il est un peu frais, il est un peu plus happy, je trouve. C'est le dernier que j'ai composé. J'ai fait un peu d'ASMR hier soir dessus. On se met à un bout de l'introduction. Comme ça. Du reclus en quête de lumière, d'une rivière.
Ok. Bon, c'est pas si mal. Alors, comme c'est vidéo challenge, une instru en 10 minutes, j'ai du mal à adhérer. C'est rigolo, c'est pas mal. Enfin, c'est des trucs que j'ai plus ou moins déjà fait, tu vois. L'album en 24 heures, pour le coup, j'attends les challengers. Je voudrais pas faire le coco, mais voilà. Mais c'est des challenges un peu débiles, ouais. Après, c'est sympa, c'est des contraintes, mais 10 minutes, c'est quand même... c'est bâclé, quoi. Une heure, c'est bien, tu vois. Même une demi-heure, 10 minutes, c'est chaud, quoi. Comment tu veux faire un truc... tu peux trouver une idée sympa, mais elle sera jamais vraiment aboutie, en général. Voilà, c'est... Mais c'est, la contrainte temporaire, c'est quand même super bien, tu vois. Mais 10 minutes, faut pas non plus déconner, quoi. Un morceau en une minute. Oui, j'ai changé de morceau entre-temps, excuse-moi Étienne. Ouais, c'est parce qu'il y a un temps de latence et il faut vraiment que je règle ces questions. Enfin, il y a plein de trucs à régler, mais... Je suis un grand débutant du stream. Hein. La fin gagnerait par une résolution avec juste un fa à la basse seule. Ah, à la toute fin. Ok, je noterai ton commentaire. Aokas Max, comment tu écris tes chansons? Trois petits points. C'est une question ou c'est une réflexion dans le vague. Mais comment il écrit ses chansons, ce mec? C'est n'importe quoi. Parce que sinon, si c'est une question, t'as juste à regarder les replays et tu vas voir comment je fais. Quand j'écris en mode MAO, après, quand j'écris en mode guitare-voix, tout ça, c'est complètement différent et je le fais très très peu au final. Et c'est un tort d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai qu'à force... Une question, ok. Mais c'est vrai qu'à force, voilà, je me suis développé comme ça des habitudes de travail directement dans le logiciel avec ma petite cuisine, quoi. Et après, les chansons, comment je les écris? Moi, je pars d'une mélodie en général. Je débute un bout d'instru, un truc. Et quand j'ai quelque chose qui tourne à peu près bien, en général, il y a une mélodie qui va émerger. Donc soit une mélodie qui va être jouée musicalement et que je vais reprendre ensuite pour la mélodie pour les paroles. Ou bien, j'enlève le casque, j'ai un peu mal aux oreilles. Ou bien, comment dire. Ou bien c'est une mélodie qui est dans ma tête, qui complète un peu. Et ensuite quand j'ai un petit ersatz de mélodie, je vais commencer à écrire un petit peu des mots. Et puis soit j'écris tous les mots d'un coup en me basant vraiment sur la rythmique, etc. Enfin, notamment couplet, après souvent je vais chercher une autre mélodie pour le refrain. Ou inversement, hein, des fois tu commences par écrire le refrain, mais voilà. Et ouais, ensuite ça découle de ça, mais je t'invite à, si t'as un peu de temps, si ça t'intéresse, à regarder les replays, tu vois vraiment la création du truc en direct, toi. Voilà. Bien évolué celui-là. Celui-là de morceau. Quelle importance tu donnes aux paroles? Une grande importance. Mais ça peut paraître un peu contradictoire, c'est que. Alors, c'est vraiment, j'ai eu une espèce de. Commencer si la mélodie n'existe pas déjà. Tu sais pas, mec. c'est compliqué, hein, mais tu sais pas. Ouais, donc pour les paroles, comment dire. Moi, j'ai eu vraiment un déblocage il y a 2 ans autour des paroles en français, de l'écriture en français. Parce que pendant très longtemps, j'ai écrit en anglais. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je sais pas si t'avais vu ça. Mais c'est un truc intéressant, en fait. On s'obstine à vouloir écrire en anglais, dans une langue qui n'est pas la nôtre, parce que on peut se cacher, parce que musicalement, c'est plus simple de faire sonner les mots et tout, mais en fait, quoi qu'on fasse en tant que francophone, et je le sais très bien pour vivre à l'étranger dans un pays anglophone, pour être vraiment... Moi, je suis immigré, en fait. Hein, en fait, on maîtrise pas la langue et on la maîtrise pas. On maîtrise pas une langue poétique. On a l'impression de. On écrit des formules en anglais comme on le ferait un peu en français et en utilisant des mots anglais, en traduisant des formules. Mais en fait,
En général, les expressions et les formules ou les mots qu'on utilise sont pas les bons, tu vois. Ça matche pas pour des anglophones. Et moi, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Que finalement, ben, ce serait jamais, jamais très naturel, en fait, la manière d'écrire. Il y a quand même plein de groupes qui sont pas anglophones, qui écrivent en anglais, qui font des bons titres en anglais, et ça marche pour eux, et tant mieux pour eux, tu vois. Mais c'est quand même une discipline qui est compliquée. Et du coup, voilà, depuis 2 ans, moi, je suis revenu au français, et en fait, dans ma manière d'écrire les paroles, moi, j'écris comme j'écrirais en anglais. Enfin, en tout cas, non, j'ai cette recherche, je recherche la musicalité anglaise avec des mots français, en fait. Cette espèce d'instantanéité qu'a l'anglais, cette espèce de fraîcheur qu'a l'anglais quand t'écris en anglais, il y a un truc, quoi, avec les mots, les sonorités. Et c'est quelque chose que je recherche ensuite dans le français. Toujours dans une quête quand même en filigrane de sens, et, ou en tout cas de licence poétique, un peu comme on dit, tu vois. De se dire, t'entends les mots, déjà tu te dis pas tout de suite que putain c'est merdique ce qu'il a écrit, mais plutôt, en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de provoquer, te dire, attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire, tu vois. Et en fait, que tu réécoutes ou que tu creuses et que tu dis, en fait, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas, je sais pas, là, tu vois, prisonnier de l'astre, je n'ai pas vu la sortie, je n'ai pas lu tous les signes, pas lu entre les lignes, la main qui est tendue, qui me revient de loin, la petite inattendue caresse au milieu du chemin. C'est un truc un peu flou, tu sais pas trop, quoi. Le mec, est-ce qu'il était perdu dans sa vie, est-ce qu'il est machin ? Prisonnier de l'astre, tu vois, ça veut dire quoi, l'astre ? Est-ce qu'il est la tête dans les nuages ou est-ce qu'il est, au contraire, je sais pas, enfermé, confiné, tu vois, c'est un thème en ce moment qui ressort beaucoup dans ce que j'écris. Et après, tomber les nuits, les soirs d'hiver, tombe la pluie sur la terre, l'étoile chante apaisée, ritournelle du lendemain, du renouveau des matins quand les temps ont changé. Tu vois, là, c'est un peu plus explicite, mais c'est pas... j'attends les lendemains heureux et qu'il refasse beau sur terre, que les hommes se tiennent la main. Un truc comme ça, tu vois. J'essaie de le dire un peu différemment. Et après, ça résonne ou pas, hein, c'est comme tout. Mais c'est comme ça que je le vois. Et j'essaie de mettre un peu de... à la fois des images et puis à la fois d'essayer des fois de casser le truc, tu vois. Tomber les nuits, les soirs d'hiver, tombe la pluie sur la terre, la terre, l'étoile, tu vois, 2-3 trucs comme ça qui reviennent ou qui viennent se juxtaposer. Pareil, un plafond de verre, le verre qui fond comme sucre d'orge. Tu top line pour après écrire dessus, c'est un peu ça dans l'idée, ouais. J'ai un peu une genre de top line qui va se... Soit la top line, elle est musicale, tu vois, comme ici le refrain, quoi. Et quel thème de guitare, en fait, hein. Putain. Et du coup, je reprends ce truc-là. Et je l'écris, quoi. J'écris des mots dessus. Et moi, j'écris vraiment très... j'essaye, en tout cas, après, voilà. J'écris vraiment très rythmiquement, quoi. Enfin, très calé sur la rythmique des mots. Sur le côté un peu... Enfin, ça se voit pas forcément de prime abord, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup écouté de rap. J'en écoute encore pas mal. Et je suis vachement influencé par ça, faire des instrus et tout, c'est un truc que j'aime bien, je le fais pas très bien, mais j'aime bien faire ça. Enfin, c'est, voilà, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup. Et donc, j'aime bien ce côté rhythm and poetry, quoi, vraiment le rythme, quoi. Et vraiment, après, la mélodie est centrale, quoi. Vraiment, vraiment centrale, centrale. Que tu as retravaillé, bien mieux. Ouais, ouais, c'est...
Ouais, bah, j'ai passé un peu plus de temps dessus, puis il est plus simple aussi. Tu vois, il y a moins d'éléments, c'est un peu moins le bordel, c'est moins dark, c'est moins peut-être moins ambitieux, c'est plus évident. Tu sais, il y a des morceaux, ils sont plus évidents que d'autres, quoi. Tu vois, c'est plus... Il y a des... Ouais, il y a des morceaux, c'est des évidences, quoi. Et les trucs, ça vient tout seul, et voilà. Est-elle copyrightée la mélodie seule ou est-ce que c'est l'ensemble de la musique qui est copyright? L'ensemble de la musique est copyright. Une mélodie, c'est déjà plus compliqué. En général, une mélodie, un enchaînement de notes, c'est ce qui va être facilement copyrightable, sachant que là, je sais qu'il y a eu des chercheurs qui ont inventé un algorithme ou je sais pas quoi qui, en gros, à créer toutes les mélodies possibles, enfin des millions et des millions de mélodies, justement pour éviter que quelqu'un ne se les approprie, en fait. Faudrait que je retrouve l'article, le délire, mais... Et du coup, c'est pas mal, quoi, parce que ça... On peut très vite s'approprier un truc parce que quelqu'un a fait quelque chose d'un peu similaire. Mais en fait, on se copie tous les uns les autres sans le savoir, tu vois. Et là, par exemple, ça me fait penser à puisqu'il faut sentir ta main dans le japon, le crier, ça n'a pas l'intention. Comment ça s'appelle, putain? Mylène Farmer, tu vois. C'est con, hein, mais... Ouais, t'avais vu passer la news aussi? Voilà, où c'est vraiment, ils ont créé un algorithme ou une intelligence artificielle qui avait en gros. Créer toutes les mélodies et ils ont tout déposé libre de droit ou enfin je sais plus une connerie comme ça pour justement éviter qu'il y ait des soucis à ce niveau-là. Parce que par exemple, il y a eu des gros problèmes sur les droits d'auteur avec les boucles splice et les boucles mélodiques particulièrement. C'est parce que bah tu prends une boucle splice, tu fais un hit avec, boum, par chance, tant mieux pour toi. Sauf que, en fait, un autre mec avait déjà déposé un titre avec cette même boucle splice en guise de mélodie et tout. Et du coup, t'es niqué. Parce que le mec peut te dire, bah, tu m'as volé ma mélodie ou je sais pas quoi. C'est comme le truc qu'il y avait eu, j'en avais parlé d'ailleurs, parce que ça m'avait quand même pas mal un peu choqué, mais surtout perturbé du point de vue du droit d'auteur. Quand c'était Christine and the Queens qui avait sorti là, son nouvel album et le single qui était sorti, c'était un truc fait avec trois boucles de GarageBand, tu vois. Donc vraiment que tu avais accès sur n'importe quel iPhone ou iPad gratuitement. Et en gros, cette boucle-là, c'était pas juste une boucle rythmique ou une grille d'accords, c'était une boucle rythmique, la grille d'accords, mais surtout une grille d'accords mélodie en fait. Et du coup, ça c'était. Je peux la retrouver la boucle, hein. Je crois que c'était Neon quelque chose. Neon Light. Et après. Merde. C'était ça. Voilà. Et en gros, son refrain. Ah, fuck. Ça faisait. Enfin, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de. Enfin, tu écris des paroles sur ta mélodie, quoi. Mais du coup, c'est compliqué parce que cette boucle-là, elle appartient à tout le monde, d'autant plus que c'est dans GarageBand. Donc, faut voir en termes commerciaux, mais logique, à partir du moment où tu achètes le logiciel, tu as le droit d'utiliser commercialement tous ces outils-là. Donc, c'est compliqué parce que ben, si toi derrière tu réutilises cette mélodie parce que tu as le droit, vu que ça fait partie des boucles libres de droit, ben, tu risques d'avoir de gros problèmes. Puisque elle-même, elle a créé un morceau avant toi, mais ça se trouve d'autres gens ont créé d'autres morceaux avant elle, tu vois. Mais en tout cas, elle a créé le morceau qui a marché ou qui est connu ou qui est machin. Et donc, enfin, c'est un espèce d'imbroglio. J'aimerais bien un jour. Le micro déconne un peu. Ouais, faut que je trouve mes réglages. Je t'avoue que. Et puis j'ai un petit problème de câble.
Mais de toute façon, je vais pas rester encore trop longtemps. Mais ouais, c'est un imbroglio légal, quoi. J'aimerais bien vraiment interroger un jour un spécialiste du droit d'auteur ou, tu vois, ou, en tout cas, poser question, parce que moi, ça me turlupine, quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'est intéressant hein, comme truc. Yes, j'aime, tu l'as ironisé un peu, certaines instruments. Est-ce que la rythmique peut être copyright? La rythmique peut être copyright? Non, je pense pas. Je pense pas, mais en vrai, moi je suis pas compétent là-dessus. Je suis compétent pour faire de la musique, tu vois, et discuter de musique, mais les questions de droit d'auteur, c'est vaste, quoi. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des avocats spécialistes et tout. Et il va falloir que j'y aille, les amis, sur cette bonne. Surtout les Russes qui copyrightent des sons libres. Ah ouais? Ouais, peut-être. Hein. Voilà. Les Ruskov, hein, de toute façon. Hein. C'est quoi? C'est les méchants. Soit c'est des Russes, soit c'est des barbus, de toute façon, dans les films occidentaux. Hein. Bon, bref. Méchants Russes. Hackers. Encore des hackers. Bref. Bon, les amis, c'était un plaisir de se faire une petite session. Hein. Mais là, faut que j'aille chercher le fiston. Ouais, 3 heures en plus. Donc merci à tous d'être venus sur le stream. Vous voyez, on prend un peu les marques, on essaie de trouver un peu son rythme, etc. Non, pas non plus, sauf l'intro de Beat It de Michael Jackson. Ouais, carrément. Merci, c'est super. Mais merci à toi, Black Bones. Merci à tous, les amis, voilà, de votre soutien, de vos commentaires, de vos machins, des presque 18 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, quand même, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, merci à vous pour tout. Et puis, à très vite. Ciao. Faites plein de musique, surtout. Ouais, merci à vous. Merci. Ouais, ciao les amis. À bientôt pour un prochain stream et tout ça. Et puis, on rediscute, on se recale. On se recale. C'est